Bon, alors aujourd'hui, on s'intéresse encore à la Seat Ibiza, mais cette fois-ci pas pour changer le filtre habitacle, mais cette fois-ci pour changer une ampoule au niveau des phares avant. Donc on va commencer par soulever le capot et ensuite on va voir comment tout ça fonctionne et comment tout ça est installé. Donc on ouvre la portière côté conducteur, on tire le levier pour déloquer le capot et ensuite on va se retrouver sous le capot. Alors, à quoi ça ressemble? Alors, vous avez visiblement des agrafes qu'il va falloir enlever. Vous avez forcément des petits caches étanches pour éviter l'introduction d'eau au niveau des ampoules, ce qui est normal. Et visiblement, ça n'a pas l'air très compliqué. Dans un premier temps, pour celle-ci, il faut soulever, visiblement, voilà, soulever l'agrafe et vous avez le cache étanche qui s'en va. Vous avez accès à l'ampoule en dessous. Le cache étanche s'en va avec un petit joint pour l'étanchéité et vous avez accès à l'ampoule en dessous. Alors l'ampoule est maintenue à l'intérieur par une agrafe, donc en fait il faut pousser pour enlever l'agrafe, voilà. Et ensuite vous pouvez enlever l'ampoule. L'ampoule une fois enlevée, en fait c'est simplement une connectique qu'il faut tirer. Voilà. Donc je le fais pas, mais il n'y a rien de compliqué ici. On va aller voir de ce côté-là. Donc avant, je remets le cache. Donc vous avez cette partie-là qui vient s'insérer au fond. Et puis ici, vous avez l'agrafe qui vient se prendre là. Voilà. Donc là, visiblement, j'ai bien inséré le bas. Je me colle pour faire l'étanchéité avec le joint en caoutchouc et là j'appuie, hop, pour remettre mon agrafe métallique. Nickel. De l'autre côté, j'ai à nouveau ce type d'agrafe, voilà, qui va nous permettre d'enlever encore une fois le cache plastique étanche, voilà, avec le petit joint autour pour l'étanchéité. Et en dessous, vous avez accès aux ampoules. Pour la remettre, en fait, il suffit juste de clipser en appuyant un petit coup. Comme c'était simplement pour la vidéo, je vous montre. Je la remets. Il suffit de la clipser à nouveau. À gauche et à droite. Là, le petit connecteur, vous le remettez sur les deux pattes. Hop, sans aucun souci. Voilà. Et puis, le petit cache plastique, vous avez vous avez une partie ici et une partie là qui vont venir s'insérer dans des trous là et là, et puis cette partie là pour l'agrafe. Et je rappuie sur l'agrafe. Hop. Voilà, c'est